Depuis le coup d'État, elle attendait son sort, retenue en résidence surveillée. Sylvia Bongo, l'épouse de l'ancien président déchu Ali Bongo, est désormais inculpée. Elle a comparu hier devant la justice gabonaise. Des interpellations ont eu lieu. C'est dans cette lancée qu'a comparu Madame Sylvia Bongo Ndimba Valentin le jeudi 28 septembre 2023 devant le juge d'instruction qui l'a inculpée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux. Une assignation à résidence a de nouveau été ordonnée. L'ex-première dame du Gabon, celle qu'on surnommait la reine de Libreville, est désormais déchue. Arrivée au Gabon à l'âge de 11 ans, Sylvia Valentin, de son nom de naissance, avait lié son destin au régime d'Ali Bongo. Ce que retiennent surtout les Gabonais, c'est son train de vie luxueux et sa proximité avec le pouvoir. Réputée froide et autoritaire, agissant dans l'ombre de son mari. Une vie de représentation, comme les nombreuses actions caricatives qu'elle entreprend. Pour de nombreux observateurs, elle était au cœur du vaste système de corruption du clan Bongo. C'est ce que devra déterminer la justice gabonaise. Son fils aîné, Nourdine Bongo Valentin, a lui aussi été arrêté et placé en détention. Il était apparu en politique pour la première fois en 2016. Depuis le coup d'État, petit à petit, c'est tout le clan Bongo qui est mis en examen et condamné. La fin d'un règne qui aura duré près d'un demi-siècle.